Bonsoir à tous et bienvenue sur 01net TV. 01net TV, vous le savez, c'est votre chaîne vidéo high-tech. Et on est ravis de vous retrouver en ce jeudi soir. Vous le savez, le jeudi soir, c'est 01 Live Hebdo, même si nous allons passer une soirée un petit peu plus longue que prévu ensemble. Et je pense que ce n'est pas pour vous déplaire. Une soirée qui va se découper en deux. Mon cher Jérôme, bonsoir. Oui, salut François. 01 Live Hebdo tout de suite, comme d'habitude. Pendant une demi-heure, on va débriefer l'actualité high-tech. Et puis juste après, on va vous proposer un nouveau rendez-vous que dorénavant, vous pourrez... retrouver sur 01net TV tous les mois. Il s'agit de 100% Windows. Yes, et pour cela, vous l'avez remarqué, nous ne sommes pas dans notre studio habituel. Non. Nous sommes en fait en plein cœur de Paris. Nous sommes devant le centre Georges Pompidou, Beaubourg, dans cette grosse boîte bleue que vous apercevez, qui est le Windows Cube. Et oui, Microsoft qui donc a investi Beaubourg pour présenter en fait à la fois Windows 10, mais aussi tous les nouveaux appareils qui tournent autour de Windows 10. On en parlera longuement tout à l'heure, entre 18h30 et 19h, avec notre rendez-vous 100% Windows, avec Agnès Vandeval de Microsoft et Marc Jalabert aussi qui seront là, qui vont nous détailler toutes les annonces qu'on a pu vivre ensemble avant-hier soir sur 01net TV. Et il y en avait. Et donc ce sera à partir de 18h30. Et comme nous sommes en direct ici depuis Beaubourg, vous allez pouvoir poser vos questions avec le hashtag 01live. Sur Twitter. Cela dit, c'est un 01live. Donc nous allons retrouver nos petites rubriques habituelles. Tout d'abord l'actu et l'actualité cette semaine, eh bien c'était à Bordeaux que ça se passait avec la voiture intelligente. Tous les professionnels et toute l'industrie de l'automobile de demain et du futur avaient rendez-vous dans la capitale aquitaine. On va débriefer ça avec notre spécialiste voiture connectée, David Noguera. Et tu y étais, Jérôme, oui, tu as vu des trucs vraiment impressionnants. On retrouvera Delphine Zabatier qui nous rejoindra ici même, la directrice des rédactions de 01net.com. On verra avec elle que justement, on peut peut-être, en combinant certaines batteries, arriver à avoir une super autonomie sur nos appareils. Ça sera notre Zoom Actu. Nous retrouvons également le labo. Et oui, nous ne sommes pas dans les studios de 01net TV, mais néanmoins, Bruno Cormier du labo est avec nous et il viendra nous présenter. Vous savez, Bruno Cormier, c'est notamment l'homme des smartphones. Alors là, il vous a dégoté un truc. Vous pouvez d'ores et déjà casser votre tirelire si vous avez l'intention de craquer pour ce joujou qui coûte plus de 8000 euros. Voilà, je l'ai dit. Ouais, en fait, il est venu avec deux vigiles puisqu'il a 18000 euros de smartphones sur lui aujourd'hui, Bruno. Oui. Donc, c'est quand même assez impressionnant. D'ailleurs, c'est un peu le, comme il représente le labo, c'est un peu le labo bourg, non? Voilà, ça y est, donc c'est parti. C'est François Sorel dans ses œuvres, en pleine forme, vous avez compris, c'est 01 Live Hebdo. Bon, soyez les bienvenus. Et avant de parler de ce rendez-vous donc à Bordeaux de voitures connectées, Jérôme, on a deux choses. La question orange de 01net. Ah oui, c'est vrai, la question orange. Absolument. Faut pas l'oublier, celle-là. La voici, la question orange. On va parler évidemment de l'événement de la semaine, les annonces Microsoft. PC portable, tablette, smartphone, bracelet, ils nous en ont mis plein la vue. Alors, est-ce que vous, ça vous a impressionné? Que pensez-vous des nombreuses annonces Microsoft? Vous allez sur www.01nettv.com et vous votez, vous nous donnez votre avis impressionnant ou bien vous êtes un peu sceptique ou alors ça ne vous intéresse pas du tout. Vous nous le dites et on fait le point tout à l'heure en cours de live. Voilà, toujours important et intéressant d'avoir votre point de vue sur tous ces sujets d'actualité. Autre manière aussi d'interagir avec nous, c'est notre jeu. Chaque jeudi soir dans 01 Live Hebdo, on vous offre une enceinte Bluetooth de marque DivaCore. C'est un constructeur français qui fait de super enceintes Bluetooth. Toujours classé numéro 1 au classement Labo 01net. Et cette enceinte DivaCore Cthulhu 2, nous vous l'offrons comment? Eh bien tout simplement en répondant à la question qu'on vous pose aussi sur 01nettv.com, une question qui a en fait un rapport avec le déroulé de cette émission. Donc regardez bien 01Live Hebdo. Très attentif. Jusqu'à la fin, jusqu'à 18h30. Si vous nous regardez jusqu'à 18h30, vous pourrez poser votre question. Alors ce jeu est valable pendant le 01Live Hebdo, mais aussi lors des replays, vous pouvez jouer avec nous tout au long de la semaine. Donc n'hésitez pas, une enceinte Cthulhu 2 à gagner chaque jeudi sur 01nettv.com. Voilà, bonsoir David Noguera. Bonsoir. Salut David. David du labo 01net.com et spécialiste entre autres de la voiture connectée. Alors nous nous sommes retrouvés en début de semaine, exactement, David, à Bordeaux. Tous les deux à Bordeaux. Pour une grande expérience. Ah, c'était vraiment pas mal. C'était vraiment pas mal. C'était vraiment intéressant. Vous vous êtes retrouvés dans une voiture tous les deux, c'est ça? Oui, on a fait pas mal de tours de voiture ensemble. D'accord, ça s'est bien passé?
Ça s'est très bien passé. Vous voulez que je vous mette à côté, que moi je me mette là, non, pour garder votre intimité? Non, on s'est tout dit, j'avais besoin de te retrouver. Non, mais c'est vrai, moi je suis un peu jaloux quand même. Hein. Ouais, tu vas à Bordeaux sans moi. Tu n'as pas arrêté de me dire, et si François voyait ça, tu Oh, c'est mignon. C'est mignon, c'est mignon. Bon, mais c'est vrai que c'était vraiment... Alors, c'est le rendez-vous de la voiture intelligente. Donc, exactement, il y avait des tas de choses. Nous, on s'est vraiment intéressé à la voiture autonome parce que c'est ce qui nous fascine. Ces voitures qui circulent toutes seules. Et on s'aperçoit que les Français sont super dans le coup. Ouais, c'est très, très, très bonne nouvelle. Ça, c'est qu'effectivement, on avait déjà un peu senti sur Francfort avec Valeo. Mais là, déjà, on est arrivé à l'ITS et on avait déjà ce sujet qui avait fait un peu le buzz un peu partout, qui était cette Citroën C4 Picasso qui avait fait Paris-Bordeaux, alors sur l'autoroute A10, ouais, de manière autonome, donc sans intervention du conducteur. Donc ça, c'était déjà le gros phénomène, cette Citroën C4 Picasso. David, c'est un peu la Google Car à la française, cette C4 Picasso, ou est-ce alors que c'est plutôt l'Audi A7 qui a fait Palo Alto, Vegas... l'an dernier pendant le CES. D'accord. C'est un peu celle qui conduit toute seule, voilà, bon, et c'est sur autoroute. La Google Car, c'est un autre modèle. Mm-hmm. Là, du coup, on arrive tout de suite au gros morceau ma question, c'était plutôt de les comparer. Est-ce que il y a autant de technologies dans la Google Car que dans cette Citroën qui a fait quand même toute seule Paris-Bordeaux? Vas-y David. Bon. Ils sont mignons tous les deux. C'est assez difficile de dire s'il y a autant de technologies que dans la Google Car, parce que Google, finalement, on ne peut pas l'avoir. Oui, garde secrètement un petit peu tout ça. Il y a quand même une grosse partie de secret. Ce qui est sûr, c'est qu'on est sur... En tout cas, elle est plus visible. La technologie est beaucoup plus visible, parce qu'il y a cette espèce de mât autour. Il y a quand même plus de technologie, puisqu'il y a un lidar qui tourne à 360 degrés. Qui observe. Mais les lidars, chez les Français, ils sont intégrés un peu partout dans la voiture. Donc, c'est pour ça qu'on les voit pas. Mais ça fonctionne. Mais elles sont toutes autant autonomes l'une que l'autre? Alors, en fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs niveaux, en ce qui concerne la voiture autonome, et ces niveaux sont codifiés. Donc, si on prend depuis le début, vous avez le niveau 0, c'est pas du tout d'autonomie. Le niveau 1, c'est de l'ABS, des petites choses comme ça. Bon, c'est notre voiture à nous, par exemple. Alors nous, on peut dire qu'on est maintenant au niveau 2. Au niveau 2, d'accord. Parce que ce sont ces voitures dont on parle de temps en temps, celles qui accélèrent, qui freinent, qui corrigent la trajectoire lorsqu'on ne fait rien. Régulateur de vitesse, etc. Régulateur de vitesse adaptatif. Et il y a le fameux niveau 3 qui, qui commence à être costaud, et c'est ce qu'on a vu principalement à Bordeaux. Et c'est ce qui sera commercialisé à partir de l'année prochaine. Alors le niveau 3, c'est quoi? C'est-à-dire que sur l'autoroute, on peut lâcher les mains pendant des centaines de kilomètres, mais on est obligé de rester dans la voiture et on doit pouvoir reprendre le contrôle dans la voiture en 10 secondes. Donc on peut lire le journal, mais on n'a pas le droit de s'endormir, par exemple. On peut pas faire... En théorie, on ne peut pas faire autre chose. En tout cas, quand on leur a demandé d'essayer de faire autre chose, ils ont refusé pendant les démos. Mais clairement, ça serait revenu au même. Hein. Vraiment, sur toutes les démos auxquelles on a assisté, le conducteur pouvait nous parler librement, regarder autre chose. La voiture se conduisait vraiment seule. Ensuite, il y a niveau 4. Alors après, il y a le niveau 4. Le niveau 4, ça veut dire que là, on peut dormir. C'est pas vrai. Tu peux dormir dans la voiture. C'est comme ça qu'on distingue le niveau 4. C'est qu'on peut dormir. C'est l'une des caractéristiques. On peut faire tout autre chose. Dormir, lire, tourner le dos à la route. D'accord. Ouais, donc on peut imaginer même de nouveaux véhicules qui ne seraient pas forcément... D'accord. Et niveau 5, et puis le niveau 5, c'est le summum. Ça veut dire qu'on n'a même plus besoin de conducteur à l'intérieur. La voiture mène sa propre vie. Donc typiquement, elle vient te chercher chez toi à vide. C'est la Google Car. Elle t'emmène où tu veux. C'est elle qui choisit l'itinéraire. C'est elle qui conduit à 100%. Et la ensuite, Google elle te dépose, elle repart à vide. La Google Car, c'est la Google Car. Est au niveau 5. Il y en a beaucoup des voitures de niveau 5 aujourd'hui. Elle est prévue pour être au niveau 5. D'accord. Mais la Google Car est encore considérée quand même comme un peu comme un produit de laboratoire. D'accord. Alors, est-ce qu'il y en a? Non, puisque clairement, pour l'instant, on voit bien que toutes ces technologies qui, pour certaines, arrivent à maturité, sont contraintes par les législations. À Bordeaux, 7 km de boucle autour du lac, c'est une autorisation spécifique parce qu'il y a eu des dispositifs qui ont été intégrés sur la route, parce qu'il y a eu d'ailleurs un peu partout dans Bordeaux des signalétiques un peu spéciales disant qu'il y avait des phases de test, mais il y a eu des autorisations qui ont été délivrées à ces véhicules qui ont été certifiées niveau 3. D'accord. D'ailleurs, elles sont identifiables assez facilement. Alors, je ne dis pas que tout le monde va pouvoir le faire, mais elles ont des plaques d'immatriculation, les fameux W garage. Mais cette fois-ci étendue, puisque ce sont des voitures qui peuvent effectivement se lancer sur la conduite autonome. Mais ça va, je pense, aller très très vite, parce que quand on voit que PSA a 2000 km de route en France pour commencer à faire ses essais, ou en tout cas pour faire ses essais,
on se dit que finalement, ils ont plus de freins, ou en tout cas beaucoup moins qu'avant. Et, ils ont plus de freins. C'est curieux si comme image. En tout cas aux essais. Curieux comme image. Et donc ça peut aller assez vite. Ouais. Voilà. D'accord. Ouais. Alors ça va arriver. Mais on a une idée du coût de toutes ces technologies, parce que c'est bien beau une voiture qui roule presque toute seule. Mais s'il faut vendre sa maison pour s'acheter une voiture comme ça, ça pose un problème. Alors, quand même. Le LIDAR, qui est quand même le gros morceau, qui est ce laser, le système qu'on voit sur Google, bon, là, qui est intégré sur les voitures, à l'avant, à l'arrière, sur les côtés, sur un modèle qu'on va voir juste après, la VDCOM, parce qu'il faut vraiment qu'on en parle. C'est une pièce qui coûtait quelques dizaines de milliers d'euros. Alors forcément, c'est plus ou moins performant, ça lit plus ou moins de choses, etc. Aujourd'hui, chez Valeo, ils arrivent à faire des voitures autonomes avec un dispositif qui serait de l'ordre de quelques centaines d'euros. Waouh. D'accord. Alors que Velodyne, qui annonçait son LIDAR à 7 000-8 000 $ en début d'année, au moment du CES justement, déjà ça a bien baissé, mais là quelques centaines d'euros, l'idée c'est vraiment en équipe de petites citadines avec ces technologies pour avoir de la petite voiture autonome. Ça fera comme les équipements rituels, c'est-à-dire que ça arrive d'abord sur les berlines de luxe et puis petit dès qu'il y aura du mass market. Ça descend en gamme, quoi. Faites-nous un peu rêver parce que vous avez vu des trucs incroyables. On peut imaginer une voiture de niveau 5 quand 2030. Ouais. 2030. C'est quand même pas demain. Ouais. Donc c'est dans 15 ans. Mais 2030, niveau 5, ça implique énormément de choses. Il faut expliquer aux gens, il faut que les gens prennent confiance dans ces voitures qui conduisent seules, il faut de l'infrastructure qui est encore très... La révolution intellectuelle, c'est sûr. Alors nous, on était occupés en plus à interroger les personnes, mais une personne qui finalement prend un peu de recul et se dit « mais je suis à bord d'une voiture qui conduit toute seule ». Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est clair. Mais aujourd'hui, mais après, petit à petit, on s'habituera. C'est ce que nous dit Malcolm sur Twitter. Voiture autonome, bof, où est le plaisir de conduire? Alors, enfin, il dit pas que ça l'inquiète, mais il dit où est le plaisir de conduire. Bah, c'est un peu ça. De toute façon, 2030, si la voiture se gère tout seul, si ça se généralise, ça veut dire que on n'aura un jour plus le droit de conduire sa voiture. Ouais. Ce sera interdit. Ça sera interdit. Parce que ce sera trop dangereux. Parce que les voitures circuleront... Non, vous êtes un humain, ne conduisez pas, surtout pas. Exactement. Pas non, mais on fera autre chose. Et puis, dans la politique des constructeurs, c'est quand même de faire intervenir ces niveaux. Alors, quand ils parlent de délégation de conduite, c'est vraiment parce que c'est des phases pénibles. C'est je suis sur le périphérique, c'est les embouteillages, j'ai pas envie de... Ouais, je veux faire autre chose, faire un live chat avec mon entreprise parce que je vais être en retard et j'ai mes collaborateurs qui m'attendent dans la salle de réunion. C'est lire un journal, voilà. Donc c'est prendre le temps de faire autre chose. Mais la question est intéressante de Malcolm. Malgré tout, je pense qu'il existera toujours des voitures traditionnelles. Sûr, pour sur circuit. Alors peut-être sur dans ton jardin ou peut-être dans ton parc. Peut-être sur certains trajets. Oui, sur certains trajets, peut-être. C'est vrai que beaucoup de gens prennent du plaisir à conduire. Bon, quand on est à Paris, dans les embouteillages, franchement, on rêve d'avoir une voiture d'autonomie niveau 5. Hein, c'est sûr. Sincèrement. Hein. Tout ça combiné à l'électrique ou pas? Oui, électrique, boîte automatique. C'est-à-dire que c'est des voitures qui, demain, iront se stationner pour recharger, puis repartiront quand elles auront refait. Tu me fais rêver, mais alors je ne sais pas de quel niveau c'est. C'est la voiture qui, lorsque vous allez au restaurant, vous laisse devant le resto, va se garer toute seule et revient lorsque vous avez payé, quand vous voulez. Quoi. Ça existe. Hein. Non, ça sera plutôt du... Enfin, si, dans l'absolu, ce serait du niveau 5, puisqu'elle est seule. Dès qu'elle roule sans personne à l'intérieur, c'est du niveau 5. C'est du niveau 5. Ouais. Bon, donc les voituriers ont encore 15 ans devant eux, en fait. Oui, ils ont encore un peu de... Ça va arriver vite. Mais d'ici 2020... Parce qu'évidemment, derrière, il y a Uber, il y a tous ces trucs-là, les taxis, les transports. On peut imaginer que demain, on prendra un Uber sans personne à l'intérieur, on montera et il nous emmènera où on veut, quoi. C'est ça aussi l'idée. Bien sûr. Ils sont d'ailleurs très intéressés, hein, Uber et compagnie. Et puis, ne parlons même pas des transports routiers, etc. Mais il faut savoir que... Pourquoi je dis que l'homme n'aura plus le droit de conduire sa voiture? Parce que l'homme sera une source de danger. C'est-à-dire que les voitures autonomes roulent très bien. Elles ne font pas de bêtises sur la route, jamais, jamais. Elles ratent jamais un panneau, elles sont jamais bourrées. Elles roulent parfaitement bien. Elles sont bourrées un jour. Alors, il y a, j'allais dire, évidemment, il y a un mais, il y a deux mais. Le premier mais, c'est l'éventuel bug informatique, piratage, etc. Ouais. Mais il y a un autre mais qui est super intéressant intellectuellement, c'est qu'elles roulent trop bien en réalité, c'est-à-dire qu'elles suivent scrupuleusement le code de la route. Et il nous est arrivé un truc rigolo avec David à Bordeaux. On était dans un véhicule et tout d'un coup, on a croisé un bus qui, lui, a fait une bêtise. Mais parce qu'il avait peut-être une raison, il y avait un vélo ou je ne sais pas quoi, il a un peu débordé. Et bien la voiture, la nôtre, la voiture autonome, elle a pilé.
Elle s'est arrêtée. Et c'était violent, hein. C'était un peu violent. Mais parce qu'elle a détecté un truc devant, quoi. Ouais. Mais surtout qu'on a demandé à l'ingénieur qui était avec nous, mais il dit, mais attendez, pourquoi il n'a pas simplement fait comme n'importe quel chauffeur, une petite embardée à droite, il avait un mètre et à un droite. Un coup de klaxon en disant, qu'est-ce que t'as fait là, mais voilà. À la limite, est-ce que finalement, elle a pas, la voiture autonome finalement ne conduit pas mieux. Parce que peut-être qu'en faisant un coup de volant à droite, il y avait peut-être un vélo qui passait à ce moment-là. Non, il y avait le jour, dans notre cas de figure, non, il y avait rien. Jérôme, le jour où toutes ces voitures sont connectées, le problème ne se posera plus. Non, alors ça c'est très intéressant. Exactement. Il faut qu'on passe à VDCOM maintenant. Il faut qu'on passe à VDCOM. Allez, VDCOM, on va faire VDCOM. Parce que l'heure tourne. Alors c'est quoi VDCOM? Alors VDCOM, c'est selon moi vraiment. Bon, déjà le coffre, tu mets pas tes courses dedans. Hein. Non, là, c'est. Alors, il faut savoir que forcément, toute l'électronique qui est embarquée pourrait être sérieusement miniaturisée. Aujourd'hui, c'est pour pas la simplicité, mais en tout cas le côté plus pratique à la bidouille ou en tout cas au développement dont ils ont besoin. Etc. Donc il y a quand même de l'alimentation électrique. Voilà. Donc là, ce sont les fameux LIDAR, ce fameux dispositif qui est indispensable. Bah, au lieu d'en avoir un sur le toit qui tourne très vite et qui balaye la route, chez VDCOM, on en met un devant, deux sur les côtés, donc à l'avant droit et arrière droit, avant gauche, arrière gauche. Et bien sûr, on ajoute des caméras stéréoscopiques. Ce qu'on voit à l'image, au centre, il y a grosso modo 3-4 boîtiers qui sont importants. Les deux boîtiers gris. Celui-ci, en fait, là, hein. les deux qu'on voit là, voilà. Hyperviseur et perception. Perception collecte toutes les données, puisque cette voiture, elle a du Wi-Fi N, du Wi-Fi P. C'est le Wi-Fi qui sera dédié au véhicule sur la route. C'est ce Wi-Fi-là qui est utilisé pour communiquer. Wi-Fi P. 5,9 GHz, 800 mètres de portée. Donc c'est un Wi-Fi qui est dédié à la communication infrastructure, voiture et voiture vers voiture. Ouais. Donc cette interface, elle est reliée à un petit boîtier, de la même manière que de la 4G, que du Wi-Fi plus classique, qui est ensuite envoyé à un module perception, qui grosso modo transcrit ça dans un langage commun, puis il l'envoie à un module qui est l'hyperviseur, qui lui prend toutes les décisions. C'est-à-dire, est-ce que j'accélère, est-ce que je freine, j'arrive sur un carrefour, il y a une voiture devant, est-ce que je peux passer, il y a le feu rouge qu'on a vu à l'instant, il est connecté en Wi-Fi P justement, elle communique, il l'envoie et sur le tableau. Il faut qu'il soit connecté parce qu'autrement elle ne le voit pas. Donc c'est il y a aussi des systèmes qui voient les feux rouges, hein, mais disons que là ça apporte là, plus de fiabilité. Vraiment, là c'est la fiabilité. Ce feu rouge, il est connecté, donc certains sont déjà connectés. Même des feux rouges Wi-Fi, les amis. Ont été connectés. Ça fait hotspot aussi de feux rouges ou pas? Non, mais j'ai un doute sur le fait que ça puisse faire hotspot. C'est vraiment dédié à la circulation. Et ça va devenir une obligation. En tout cas, ça va être de plus en plus répandu. Puisque j'ai fait d'autres démonstrations où aujourd'hui, on m'a positionné dans un véhicule qu'on passe 4D, où on me dit, voilà aujourd'hui ce que la voiture est capable de voir avec l'infrastructure, un smartphone qui relaie tout ça, capable de voir les feux rouges, de piloter les feux rouges. Les pompiers aujourd'hui peuvent se créer des grandes lignes vertes en activant les feux à distance. Donc voilà, donc on est dans les phases de communication véhicule, infrastructure. Juste un petit mot, ce VDCOM, ce véhicule ne sera jamais vendu évidemment. VDCOM, c'est un institut de recherche, de développement, etc. C'est une vitrine technologique. Voilà, exactement. Et puis bon, moi il y a la question, c'est combien ça va coûter? Parce que s'il faut équiper tous les feux rouges, mais tu penses qu'à l'argent, de toutes les villes avec le Wi-Fi, c'est un travail titanesque. C'est un travail titanesque, mais aujourd'hui, les plateformes qui sont développées, que ce soit sur autoroute ou en ville, sont de toute façon déjà, pour la plus grande partie, connectées. Très bien. David, merci. C'était passionnant tout ça. Il y a plein de David plein de sujets à venir. Qui sera sans doute le premier Français à avoir une vraie voiture, on va dire, autonome. Ah, hein, probablement, avec oui. Ils sont c'est dans la même, tous les deux, et moi je serai là. En tout cas, on a vu de jolies choses. Au revoir. En tout cas, il y a plein de vidéos à retrouver sur 0net TV. Alors, on va revenir dans un instant. Delphine Sabatier est juste là. On va la retrouver dans une minute pour son Zoom Actu. Et après, c'est Bruno Cormier qui viendra nous présenter ses nouveautés labo. Et restez avec nous parce que Bruno Cormier, dans un instant. On aura avec lui des smartphones, mais je pense les plus chers au monde. Oui. Hein, en tout cas, pas loin. Il est venu avec deux vigiles, un drone sur la tête pour le surveiller. Enfin bref, c'est terrible. Ça sera dans un instant. Il y avait des messages sur Twitter à l'instant. Est-ce que Delphine Sabatier sera là? Mais oui, regardez, elle est là. Elle est avec nous. Elle est dans le Windows Cube.
En plus, Delphine, vous nous avez fait faux bond là, hein, la semaine dernière, la semaine d'avant aussi, etc. Je sais pas, je sais plus. Donc on est ravis de vous retrouver. J'étais bien occupée. Ah, mais ça, c'était le prix de la voiture la plus connectée de l'année. Donc exactement. Vous aviez quand même une bonne excuse. On vous a signé le bon, il n'y a pas de souci. Bon, très bien. Delphine, donc directrice de rédaction de 01net, pour notre Zoom Actu. Donc. Oui, et pour parler d'un sujet alors là, qui nous intéresse tous, c'est la plaie des batteries qui ne tiennent pas assez longtemps dans la journée. Et il y a peut-être une avancée technologique très intéressante. Vous nous parlez donc d'un nouveau système, un prototype de batterie qui devrait considérablement allonger l'autonomie de nos appareils. Pareil. C'est une idée simplement géniale, les garçons. Je ne vais pas vous parler d'une énième batterie du futur qui peut-être sortira un jour, qui est plus grosse et tout ça. Non, là, je vous parle d'une vraie trouvaille dont le point de départ finalement est comment on fait du neuf avec du vieux. Alors, la bonne idée, elle vient de chercheurs de chez Microsoft qui se sont dit finalement, il y a plusieurs types de batteries aujourd'hui qui existent. Partout, hein, c'est, ouais, alors, c'est un pur hasard. voilà, mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça, c'est vraiment l'info du moment pour moi. Donc, il y a plein de types de batteries qui existent. Elles ont chacune leurs avantages, leurs inconvénients. Alors, plutôt que d'essayer d'attendre des années que la batterie idéale finisse par sortir, eh bien, on va essayer de combiner chacune des batteries existantes différentes, chacune avec leurs atouts, et de zapper de l'une à l'autre en fonction des besoins qu'on a. Bon, alors Delphine, comment ça marche? C'est parce que là, simple. Franchement, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Hein. Ça marche comment? Alors, c'est l'OS. Son petit schéma, tu as vu? Oui, c'est vrai. C'est le système d'exploitation en fait qui tient la zapette, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est lui qui va décider. D'ailleurs, la technologie s'appelle, d'un nom très explicite, mais encore de laboratoire, la SDB, c'est Software Defined Battery. Autrement dit, en français, c'est le logiciel qui choisit quelle batterie il va utiliser. Alors donc ça se fait en fonction de l'usage en cours, mais ça peut aussi se faire en fonction de vos habitudes, puisque vous savez, maintenant on a des assistants personnels sur nos smartphones qui observent en permanence nos comportements. Quand est-ce qu'on a une occasion régulière de brancher notre smartphone ou notre ordinateur portable? Eh bien, si l'appareil repère qu'on a par exemple 5 minutes le matin pour une recharge ultra rapide, automatiquement, il va y avoir dans les paramètres généraux, il va y avoir une fonction qui va activer la batterie qui se recharge. À recharge rapide. Ah, c'est génial. Et alors, on devrait gagner, qu'est-ce qu'on devrait gagner en autonomie concrètement? On va gagner, alors c'est difficile de donner des chiffres pour l'instant parce qu'on est encore au prototype. Mais on va gagner plein de choses. On va gagner en performance déjà parce que le processeur, il va pouvoir consommer toute l'énergie disponible à chaque fois. Donc il va pouvoir tourner à plein. Deuxième chose, on va gagner en autonomie globale, à peu près plus 20% aujourd'hui, c'est ce qu'on nous annonce. Et puis, on va gagner sur la durée de vie des batteries, puisque le système est intelligent. Il va donc aussi créer des cycles de vie optimum. Donc, on n'aura plus à se prendre la tête en se disant, est-ce qu'il faut que je la charge toute la nuit et tout ça. Ce sera géré automatiquement par le logiciel. Et enfin, ça va arriver sur plein de matériel. Et c'est ça qui est aussi la très bonne nouvelle. C'est que je vous ai parlé de PC portable, de smartphone, mais ça peut être aussi des drones ou même des voitures. Typiquement, vous chargez un trajet en fonction du dénivelé, de la route, du trafic. On peut faire appel à telle ou telle batterie. La recharge intelligente. Avec des économies d'énergie à la clé, évidemment. Et donc, c'est du concret. On va voir arriver ça. Exactement. Eh bien, dites-moi. Super. Bravo, Delphine. J'ai pas tout bien compris, mais c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est une super idée. Si, moi j'ai tout compris. T'as tout compris? Non, c'est vraiment une trouvaille. Tu m'expliqueras après? Oui, d'accord. Tout existe aujourd'hui pour que ça fonctionne. En plus, ça prend pas. C'est pas des batteries qui vont prendre plus de place, c'est des batteries déjà existantes. Il y a juste un mode de fonctionnement pour faire appel à elles qui va être différent. Sinon, il y a un grand papier de Pierre Fontaine sur 01net.com qui explique tout ça. Exactement, qui explique tout ça avec la source aussi des documents techniques si ça vous passionne. Merci beaucoup, Delphine Sabatier. On est bien au Windows Cube, Delphine? Super. C'est sympa, ouais, on a même de la musique, tout ça. Trafiquer les PC. On a un peu de musique en dessous, c'est vrai. On est entouré. J'ai fait garde du corps de Bruno Cormier aussi. Alors, je ne sais pas si on voit très bien ce qu'on a juste derrière. On a le Surface Hub. C'est un truc, mais je crois qu'on va. Je vais repartir avec. Ah, ça, bon, je sais pas si ça, ça m'étonnerait. Hein. Parce que ça fait 84 pouces. Puis si je pars, je ne suis pas sûr d'être discret. C'est mais assez c'est incroyable. Vraiment, c'est vrai. On en avait parlé il y a quelques mois de cela. Ouais. Et là, ça y est, ça arrive. C'est quasi un modèle final qu'on a. Et il y a une totale interactivité. On va en parler sans doute durant notre 100% Windows tout à l'heure. Puisqu'après ce 01 Live Hebdo, on vous proposera en fait une première. Un rendez-vous mensuel dédié au PC et à l'univers Windows, 100% Windows. Et on a plein de choses à vous raconter puisqu'on va commenter en fait toutes les nouveautés qui ont été annoncées lors de la keynote de Microsoft il y a 48 heures. Et il y en a eu.
Il y en a eu, c'est vrai. Donc vous restez avec nous, 100% Windows, c'est à 18h30, mais juste avant, tout de suite, c'est Bruno Cormier. Attention, s'il vous plaît, n'approchez pas de Bruno Cormier, s'il vous plaît, attention, attention, attention. Mais non. C'est pas un, c'est hop. Deux. Attention. Oui, c'est deux smartphones. Il y en a deux, ouais. Oh. Deux pour le prix de deux, en fait. Deux pour le prix de deux, oui, il voilà. n'y a pas de prix de gros, là. Il n'y a pas de prix de gros. Il n'y a pas de remise. Alors vous dites, bon, des smartphones, ça montre, bon, ça y est, qu'est-ce qui se passe? Bah, Bruno Cormier, on va parler de la montre dans un instant. Il a gagné au loto. Parce que Bruno est venu avec les nouveaux Vertus. Voilà. Alors, bon, vous avez que des iPhones, hein, je veux dire. Oui, voilà, c'est ça. Excuse-nous. Enfin, il y a des iPhones, des Windows Phone ici aussi, il y en a quelques-uns. Heureusement, hein. Vous n'avez pas encore 50 ans. Non. Et il est temps pour vous. Enfin, alors, vas-y, montre ses vertus. Il est encore temps pour vous d'acheter des vertus. Bruno. Alors, voilà. Ça, c'est le modèle de base. Vertu avec petit dos en cuir, titane, grade 5, de la céramique. C'est le seul appareil... du marché qui a un écran en verre saphir, c'est les vrais écrans de montre totalement rayables. Pardon. Totalement rayable. Même ah, François Sorel ne pourrait pas parce que tu sais qu'il est spécial. Alors, c'est vraiment très difficile. C'est vraiment très difficile à rayer. Là, hop là. En fait, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on a essayé de prendre des pointes au labo avec vraiment pour voir à quel point c'était résistant. Et en fait, ça glisse totalement. C'est vraiment. Ah ouais, d'accord. Est-ce que tu peux enlever ta main, Bruno, les plus aiguisées glissent. Parfait. Merci. Ah oui. Glisse sur l'écran. Bon alors cela dit, c'est pas le premier Vertu. Hein. Alors c'est pas le premier, c'est la deuxième version du Signature Touch. Ouais. C'est le nouveau Signature Touch. Et alors le premier prix, 8400 euros. 8400 euros, voilà. Le smartphone. Ouais. Exactement. Le smartphone. Alors oui, c'est le top du top. Ce truc-là que j'ai dans les mains coûte 8400 euros. Oui, 8400 euros. Alors pourquoi il supporte je peux les vous chocs expliquer ou pas pourquoi. Mais il est assez solide en fait. Il a quand même un cadre tout en titane et un écran vert saphir, donc a priori il doit encaisser quelques chocs. Hein. D'accord. Il y a pas de problème. Mais pourquoi coûte-t-il si cher en fait? Alors pourquoi il coûte cher? Alors d'abord les matériaux ultra rares, hein, le titane, le vert saphir, la céramique, et ensuite surtout. J'ai envie de dire, c'est qu'il est fabriqué, il n'est pas fabriqué à la chaîne, dans des usines ou quoi que ce soit. Il est fabriqué par des vrais artisans ultra qualifiés en Angleterre, dans des ateliers. Hein. Et en fait, c'est plus de l'orfèvrerie que de la fabrication de smartphones classiques, en fait. Oui, ils font pas ça à la chaîne, en voilà. fait. Voilà, et donc chaque artisan signe son propre smartphone. C'est pas vrai. Voilà, qu'il a monté entièrement. Et donc, en fait, c'est signé ici. Alors, je ne sais pas si vous Alors, pouvez on va le, là. Le voir. Hop là, là. C'est signé à l'intérieur du smartphone. Voilà, exactement. Ah, c'est J. Morgan là, qui là, c'est l'a fait. Mr. J. Morgan qui l'a fait. Mais t'es sûr qu'il s'appelle J. Morgan? Alors, c'est peut-être un pseudo. C'est pas JP Morgan? Ou Bruce Lee ou non? C'est J. Morgan qui a fait celui-là aussi. Ah, J. Morgan, il est productif. Ah oui, il est productif. C'est pas un pseudo pour tous les mecs de la manufacture. Non, monsieur, non mais regardez, c'est écrit, c'est vrai, quoi. C'est incroyable. Ouais, mais c'est une vraie pièce, c'est un vrai bijou, en fait. C'est un portable qui est un vrai bijou qui s'adresse aux gens extrêmement riches. Hein. Donc, on leur a demandé quel était le prix de son euros, je suis pas sûr. C'est des multimilliardaires, multimillionnaires russes, souvent multimillionnaires saoudiens, Qatar, des Chinois aussi, qui sont très friands de ce genre de smartphone extrêmement opulent, quoi. Hein. D'accord. Bon. Alors montre-nous le deuxième. Alors le deuxième, parce qu'il y a quand même une particularité. Le deuxième, c'est à peu près la même, version avec les, parce qu'on peut l'acheter en or. Oui. En or, ça monte à 18 000 euros. Là, c'est le petit modèle. Euros. Que tu non, as. En fait, là, j'ai les, là, j'ai les modèles d'entrée de gamme. C'est le modèle d'entrée de gamme. C'est les modèles d'entrée de gamme. D'accord. Pas terrible. On est un peu déçu quand même. Voilà, non, oui, petit joueur un peu, mais bon, ouais. C'est pas grave. Alors celui-là, ouais. Il est différent. Et en fait, il est exactement pareil, sauf que c'est de la peau de lézard. Non. C'est de la véritable peau de lézard. Attrapé à vos bouts, là juste on l'a attrapé tout à l'heure avec Jérôme. Non, mais regardez, on a eu du mal. Ce qui est quand même impressionnant, c'est que la finition du téléphone est juste parfaite. Quoi. C'est vraiment fabriqué. C'est pas une espèce protégée le lézard, non? Bah, pas non, chez Vertu. Peut-être pas le lézard. Non. Pas pour 8400. Non mais c'est du lézard d'élevage. Alors celui-là, il semble-t-il, est un peu plus cher. Des élevages de lézards. Celui-là serait 1 000 euros plus cher, 9 400 euros.
Parce que bon, la peau de lézard est une espèce protégée. Non mais alors, ok. Donc c'est du luxe. Le look c'est on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai, ils sont quand même très beaux. Le look, techniquement, mais il faut dire que finition est parfaite. C'est là où on attend le look, chacun son avis. Alors, ils ont tout mis à l'intérieur. 4 gigas de mémoire vive, 64 gigas de stockage interne avec carte mémoire. Et un processeur Snapdragon 810, alors on avait très peur parce que vous savez, oui, il y a une mauvaise réputation, ça chauffe. Ouais, ouais. Et bien en fait c'est un peu le premier téléphone qui arrive à dompter ce processeur. Alors il y a toujours un problème de chauffe et le processeur va vraiment baisser ses performances quand ça chauffe beaucoup. Mmh. Mais par exemple en 3D, il a des performances qui sont supérieures à tous les autres Snapdragon 810 qu'on a pu tester. Donc c'est plutôt pas mal. Et c'est en quand fait, même une belle bête au niveau technique, ouais, il en a sous le capot. Techniquement, il en a vraiment sous le capot, il est hyper puissant. Android. Ouais, c'est de l'Android 5.1, toute dernière version, enfin toute dernière version, plus vraiment maintenant parce que c'est la 6.0 ouais. De Marshmallow. C'est honnêtement, même l'autonomie est pas mauvaise. D'accord. Pour du Snapdragon 810, c'est tout à fait sympathique. Et alors, techniquement, il y a juste deux reproches. Ah. Hein. À part le prix, bien sûr. Ça rentre pas en ligne. Je parle juste technique. D'accord, je techniquement. Parle juste technique. Le prix, oui. On ne compte plus. Non, bon. C'est vrai. Alors, c'est quoi les reproches ? Les reproches, c'est que l'écran manque un peu de luminosité. Il fait moins de 400 candélas, on trouve ça insuffisant. Ouais. D'accord. Surtout qu'en fait, le vert saphir, c'est très bien. Mais le problème du vert saphir, c'est que ça reflète beaucoup la lumière extérieure. Il y a beaucoup de reflets, alors que les verres Gorilla Glass reflètent beaucoup moins la lumière extérieure. Donc c'est parfait pour se maquiller, par exemple. pas un miroir non plus. Non, c'est pas un miroir non plus. Ouais. Alors, deuxième défaut, le deuxième défaut, c'est les performances en photo. Alors, il a un super capteur photo, et là, il est un peu lent en photo à déclencher. Et les photos, au niveau qualité de photo, ça pourrait être vraiment largement meilleur. Mais J. Morgan, il ne s'est pas lâché sur la photo, en fait. J. Morgan, il a fait que assembler les choses. Ah pardon, hein, il avait même réglé l'appareil photo lui-même. J. Morgan, si tu nous écoutes. Ouais, le pauvre. Il est pour rien en plus. Hein. Ben non, il est pour rien. Oui. Il a très bien fait son travail, c'est magnifique. C'est vrai. J. Morgan, si tu nous regardes d'ailleurs, on salue. Et donc, bon, c'est quand même assez beau. Pour dire, c'est une version bêta du logiciel, parce qu'il vient juste de sortir le smartphone. Moi, c'est mon petit côté bling bling. Ah oui, toi, tu me connais. Je trouve ça assez beau. À mon avis, ils vont améliorer le rendu photo. Bruno, on est très à la bourre. 30 secondes pour la montre. Oui. Alors la montre, c'est simple, vous connaissiez la première moto 360, voici à mon poignet la deuxième moto 360. Oh là là. Regardez, comme il a deux poignets, c'est magnifique. Voilà. Regardez, hop là, tac. C'est la nouvelle. Oui. Alors, c'est une très jolie montre. Le problème, c'est que dedans, il y a Android Wear. Mais c'est la même. Elle est un peu épaisse quand même. Hein. Alors, elle est presque pareille. Elle n'est pas vraiment épaisse, en fait. Hein. Ah bon ? Honnêtement, elle est plus fine ou pas ? J'ai une montre classique d'horlogerie qui est plus épaisse que celle-là. D'accord. Donc, elle a perdu quelques millimètres d'épaisseur. Ouais, on voit, elle est plus fine. C'est un tout petit peu affiné. Le vrai changement, en fait, il est au niveau de l'attache du bracelet, vous voyez. Là, il y a une attache qui est quand même très limite en plastique. Là, c'est quand même, on est très loin de l'horlogerie à ce niveau-là. Voilà, sur la première, et là on arrive à une vraie attache. Ouais, c'est un système classique. Une vraie attache en métal. Enfin, donc là, ça change. Là, on est tout. En train de s'extasier, ça existe depuis 200 ans, hein, ce truc-là. Oui, non, bien sûr. Bon, toujours est-il que pour l'instant, c'est très mitigé. Android Wear, on trouve. En fait, la montre est très bien, mais on trouve que Android Wear est toujours insuffisant en termes de système. Quoi. Le prix. Le prix, je ne connais pas le nouveau prix, en fait. Voilà, ça doit être 250 euros. Les trucs à l'avance, Bruno. Bah, c'est-à-dire que là, comme on est à quelques centaines d'euros, ça n'intéresse pas. C'est peanuts. C'est rien du tout. Très bien, merci Bruno. De rien. Merci Bruno. Vous pouvez reprendre Bruno, hein, messieurs les vigiles, il n'y a pas de souci, il vous attend. Hein. Parce que autant vous dire que là, avec 18 000 euros de smartphone, il ne sort pas comme ça du Windows Cube tout seul. Hein. Merci beaucoup Bruno. Jérôme, un point sur notre question Zéro Net Orange. Oui, la question Zéro Net Orange du jour. Que pensez-vous des nombreuses annonces Microsoft ? Eh bien voilà, impressionnant, à 63%. Il faudra juger sur pièce, autrement dit, quand le labo 01net.com aura testé tous ces nouveaux produits, 23%, ou bien je ne suis pas intéressé, 13%. Voilà, continuez à voter, bien sûr. Il y a toujours cette enceinte Toulouse 2 Divacor à gagner. Vous pouvez jouer avec nous. Sur 01nettv.com, on vous pose une question liée justement aux vertus que Bruno Cormier nous a fait découvrir tout à l'heure. Si vous avez vu la présentation de Bruno, vous avez la réponse. Vous nous donnez la bonne réponse, vous participez au tirage au sort et peut-être donc cette enceinte Bluetooth Cthulhu 2
de Divacor. Voilà, c'est la fin de ce 01 Live Hebdo numéro 74 en direct de Beaubourg du Windows Cube. Mais surtout, vous restez avec nous, puisque vous le savez, dans un instant, on enchaîne sur un autre live. C'est du 100% Windows.